Chers amis téléspectateurs de TVL, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique réalisée en partenariat avec la revue d'Histoire européenne. Nous recevons aujourd'hui Michel Dassas, auteur d'une biographie d'Augustine Tuilerie. Mais qui diable est Augustine Tuilerie? Eh bien, elle n'est ni plus ni moins l'auteur d'un véritable best-seller, vendu à plus de 8 millions d'exemplaires, vendu à un public captif, certes, puisqu'il s'agit d'un manuel scolaire, l'un de ceux qui traînent encore dans nos greniers ou dans les armoires des maisons de campagne. Ce manuel a instruit des générations de petits Français tout au long de la Troisième République. Il s'agit, vous l'avez peut-être deviné, du Tour de France de deux enfants. Mais sur la couverture du livre, édité par Belin, figure le nom de G, point l'initiale, Bruno, sans aucune précision. Et on s'imagine bien ce G Bruno, G comme Georges, Gérard, Guy, comme un bon instituteur, barbu, un peu sévère, bref, le vrai hussard de la République, mais il n'en est rien. Sous ce pseudonyme se cache en réalité une femme, Augustine Fouillet, née Tuilerie, dont nous allons évoquer la vie riche et mouvementée et son œuvre littéraire et scolaire. Michel Dassas, bonjour. Bonjour. Vous n'en êtes pas à votre première biographie, puisque vous avez déjà publié « Femme de robe », consacrée à Jeanne Chauvin, la pionnière des avocates. Et là, c'est encore une femme, Augustine Tuilerie, dont vous nous racontez la vie dans un ouvrage très vivant, très attachant, qui se lit comme un véritable roman. Mais d'ailleurs, la vie de notre héroïne est un roman. Oui, alors, tout à fait. Qui est cette Augustine Tuilerie? D'où vient-elle? Elle est bretonne, je crois, Elle est née à Laval. Elle est née à Laval en 1833. Donc elle va vivre 90 ans et cette année sera le centenaire de sa disparition. Mais alors donc en 1800, elle naît dans une famille de fabricants de toiles. Il y en a beaucoup à Laval. Oui. Et les affaires de son père vont décliner à partir de 1848. Et à ce moment-là, il va bien sûr penser à marier sa fille, et justement pour essayer d'avoir un petit peu de fonds pour. Alors il songe à un fabricant de toile qui est richissime, enfin richissime. Plutôt, à l'échelle de Laval. Voilà, Jean Guyot. Et il va donc tout faire pour faire en sorte que sa fille épouse Jean Guyot. Et elle va l'épouser parce que Augustine a le sens du devoir. Et ça va guider toute sa vie, même si les femmes pouvaient refuser facilement. Voilà, même si ce prétendant ne lui plaît pas du tout, parce qu'il a 16 ans de plus qu'elle, et il ne lui semble pas vraiment sympathique. Il a une façon de la regarder qui lui déplaît, et il y a des bruits qui courent sur lui. Mais malgré tout, puisque ses parents le désirent tant, et que ses parents ont besoin effectivement de renflouer leur affaire, elle va accepter. Et c'est un mariage, elle a raison, le nez creux, oui. Puisque c'est un mariage finalement qui s'avère très, très malheureux. Très, très malheureux. Voir l'homme est violent, jaloux. Oui, il est extrêmement jaloux. Il est extrêmement jaloux. Et d'ailleurs, on sait aussi sa version des faits, parce qu'il va se confier à l'avocat Maître Villefeu, l'avocat d'Augustine. En 1864, il va faire une confession. Une confession qui est parvenue jusqu'à nous. Donc nous savons exactement comment s'est déroulé le mariage d'Augustine et un petit peu avant. Et comme Alfred Fouillet lui-même fera une confession en 1860 à son meilleur ami, j'avais donc les deux versions. Les deux sources qui se rejoignent en fait. Alors on va passer rapidement sur la première partie de la vie d'Augustine. Oui. On va faire cet entretien en deux parties, si vous le permettez. Donc on va d'abord parler d'Augustine, de sa vie, le roman de sa vie. Oui. Et puis après, nous parlerons plus complètement du Tour de France des deux enfants. Donc finalement, au bout d'un moment, elle s'enfuit de chez son mari, elle retourne dans sa famille. Oui, elle est bien obligée. Il essaye de la tuer plusieurs fois. Ah oui. Entre-temps, elle a quand même eu un fils, Jean-Marie, et Jean-Marie Guyot, qui sera un philosophe, renommé à l'époque. Donc elle s'enfuit, puis ses parents finissent par quand même décider, il faut mieux qu'il soit séparé de corps, et il y a un jugement. Alors, parce qu'à l'époque, le divorce est interdit. Il faudra qu'elle attende 1884, que la loi Naquet rétablisse le divorce pour qu'elle puisse enfin se libérer de ce mari. Enfin, bien, même si là, ils sont séparés de corps, elle ne peut pas se remarier. Elle est condamnée à vivre, en fait, comme une éternelle vieille fille. Et alors, sa famille, enfin, les choses s'enchaînent pas très bien puisque son père fait faillite. Et oui, parce que la famille est obligée de monter à Paris. Et oui, parce que Jean Guyot, bien sûr, ne va pas tenir ses promesses et il ne va pas renflouer les affaires de son beau-père. Et donc, elle va être obligée, à un moment donné, il vend tout, il vend sa maison de campagne, il vend son affaire
Et ils partent à Paris, et il est très courageux, son père, puisque son père et sa mère vont travailler dans une auberge. Et lui, il va, du soir au matin, il va aller, il sert de caviste, en fait, et elle tient la caisse. Elle tient la caisse. Oui. Alors, et Augustine, alors, on parlait de son mari, mais Augustine a un amour qui est un amour caché au début. Oui. En la personne De son cousin de son Germain. Cousin Germain. Oui. Alfred Fouillé. Vous avez donné son nom tout à l'heure, Alfred Fouillé. Alfred Fouillé. Donc, que devient cette histoire quand il monte alors, à Paris? Alfred Fouillé est déjà très, très brillant. Il a 5 ans de moins qu'elle, mais c'est un jeune homme très, très intelligent. Qui est très très amoureux aussi de sa cousine. C'est une passion absolument partagée. Ça va être un amour fusionnel jusqu'au bout. Alors donc il va essayer il veut gagner aussi sa vie parce que c'est pareil. Son père va mourir très vite. Il va se retrouver orphelin. Il doit aussi subvenir aux besoins de sa famille, de sa mère. Et il va donc faire le 2 années en une et va pouvoir être du moins répétiteur dans des collèges, etc. Et il a envie d'aller suivre Augustine et devenir répétiteur à Paris dans un premier temps avant de pouvoir ensuite enseigner dans un collège. – Alors finalement, leur amour se concrétise, si je peux dire, ils deviennent amants. – Oui, bien sûr. Et là, elle, Augustine, donc vit avec Alfred. Alors ils déploient des trésors d'imagination, en faisant croire qu'ils sont frères et sœurs. – Voilà, ils sont obligés, de dormir chacun, de faire chambre à part. – il faut qu'ils fassent, bien sûr, quand ils vont dans un hôtel, il faut qu'ils prennent deux chambres, et même trois, parce qu'il y a Jean-Marie. Alors d'abord, ils ont une fille. À vrai dire, j'ai fait des découvertes, en fait. À partir de la correspondance inédite d'Augustine et d'Alfred, j'ai aussi fait des recherches aux archives, et j'avais découvert le prénom de cette petite fille, et également l'acte de décès. Donc ça, c'est un volet très triste, bien sûr. Mais bon, ils ont aussi Jean-Marie, donc le fils d'Augustine, qu'elle va élever avec Alfred. Et même si il parle toujours de son oncle, en fait, c'est vraiment Jean-Marie le considère comme son vrai père. Et donc Alfred suit sa carrière, répétiteur, professeur, philosophe. Il devient docteur en philosophie très, très réputée. Et elle le suit absolument partout. En province, il est muté à droite, à gauche. Oui, elle fait déjà son tour de France. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que déjà on peut dire qu'elle a commencé, est-ce que ça l'a inspiré cette somme d'expérience? Bien sûr. Et puis aussi, ils sont quand même très liés. Enfin, Alfred est très lié avec Pierre Foncin, qui est le fils de son proviseur et qui, lui, va devenir un grand géographe, qui va écrire aussi des manuels de géographie, qui va aussi devenir un des premiers présidents de l'Alliance française. Donc je pense qu'aussi, toutes ces discussions vont aussi aider Augustine à faire son plan au niveau géographie. Puis c'est une femme très intelligente, une femme très curieuse. Elle évolue donc dans un milieu d'enseignants, de professeurs, d'intellectuels. Et c'est une vraie éponge. Elle apprend tout. Et ça va lui servir à faire son œuvre. Son œuvre, parce que pour nos téléspectateurs, ils partent d'Auxerre, ils vont à Carcassonne, ils vont à Douai, à Montpellier, finissent à Bordeaux. Et Bordeaux qui leur plaît tellement qu'ils y restent plusieurs années. Et alors, elle fait travailler son fils, comme toute mère. Oui, elle est son institutrice. Son institutrice à la maison, lui fait faire ses devoirs. Et est-ce qu'on sent déjà qu'elle commence à développer une méthode pédagogique? Oui, parce qu'elle a une grande, grande sensibilité et aussi une grande étude. Une grande étude de tout ce qu'elle voit. Je pense qu'elle est un peu comme Sido disait à Colette, regarde. Elle regarde. Elle regarde tout et elle enregistre tout. Et alors son premier mari avait dit que c'était une femme très ordonnée. Donc effectivement, elle est très ordonnée dans ses recherches, dans ses études, et elle arrive facilement à faire des plans, à construire des histoires. Et elle fait ça quelquefois quand elle est en train de faire son ouvrage, quand elle fait autre chose au début, parce qu'au début, ils n'ont pas beaucoup d'argent.
Bien sûr, toutes les futures éditions et surtout le Tour de la France par deux enfants vont faire et la richesse des éditions Belin et celle d'Augustine. Et parce qu'effectivement, elle avait d'autres projets, elle a eu d'autres projets de romans et de littérature. Ah oui, elle a déjà commencé par… un projet de roman, mais qui n'a pas abouti. Non, mais c'était très, très difficile parce qu'en fait, c'était un peu le même problème que maintenant. Il faut être connu pour être édité et puis, donc en fait, c'est très compliqué d'être connue, donc c'est ça. Donc elle prépare un premier ouvrage scolaire qui va porter le nom de Francinet. C'est oui, et qui va avoir beaucoup de succès. Francinet, ah, oui, c'est oui, drôle oui. comme nom. Eh bien, d'abord, je pense qu'elle a un grand amour de la France. Et Francinet, ET, vous savez, c'est un diminutif, ça fait penser à un petit enfant. Ouais. Voilà, donc… – Est-ce qu'on sent déjà les prémices du Tour de France ?– Ah oui, oui, et puis, alors ça, c'est quand même un manuel d'instruction civique. – Instruction civique. – Mais elle en profite aussi pour donner, alors à chaque fois, des leçons de morale, bien sûr. Et ça, c'est Jean-Marie, qui lui aussi a écrit un livre scolaire, qui lui a donné l'idée de mettre des petites leçons de morale à chaque fois. – Jean-Marie, son fils. – Son fils, oui. Qui est effectivement aussi très, très, très brillant, très précoce. – Alors, ce Francinet, elle ne le publie pas sous son nom. – Ah non, non. – Et pourquoi ?– D'abord, premièrement, à l'époque, quand même, ça ne faisait pas très sérieux qu'une femme signe sous… Enfin, au niveau d'instruction publique, c'était quand même mieux que ce soit un instituteur, un professeur qui écrive ce livre. Mais elle a une raison bien plus importante. Si elle avait mis son propre nom, lequel aurait-elle mis ? Madame Guyot. Et à ce moment-là, tout le monde aurait su qu'elle n'était pas la sœur d'Alfred Fouillet. – Oui. Alors c'est pour ça que c'est Alfred qui va s'occuper d'aller négocier les droits. Et souvent, pendant longtemps, les éditions Belin, et peut-être presque jusqu'au bout, ne sauront pas que G. Bruno était en fait… – Était en fait Augustine, mais oui. D'où vient ce nom d'ailleurs, G. Bruno ?– Alors, donc ils ont réfléchi à quelqu'un qui aurait été un martyr pour les idées, voilà. Et puis ça sonnait bien, alors Giordano Bruno, mais… Non, le G aurait pu, ça pouvait être aussi Gustave, Georges, Guy ou autre chose. Comme ça. Ça aurait pu être Gislaine aussi, ou, on ne sait pas finalement. Oui, mais c'était pas, je pense, un prénom qui n'était peut-être pas très important. Non, mais je veux dire, le G, finalement, on ne sait pas si c'est masculin ou féminin. Oui, tout à fait. Ah oui, non, mais dans l'esprit des gens, c'était Monsieur G. Bruno. Et j'ai vu d'ailleurs dans les archives de Belin, les quelques archives qui sont restées, nous sont parvenues, qui ont été Monsieur G. Bruno. D'accord. Après, par contre, pendant la guerre, quand elle a écrit toute seule son. Toute seule, je veux dire qu'elle n'était plus que Augustine Fouillet, que tout le monde était mort. Elle a écrit, effectivement, c'était Madame Augustine Fouillet. Et donc, G. Bruno, donc vous disiez, c'était un martyr de l'Inquisition. Oui, 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 oui. On arrive en 1870, donc la Francinet lui rencontre un vrai succès, c'est-à-dire quand on dit un vrai succès littéraire, c'est qu'il commence à être acheté par les écoles, recommandé par le ministère. Et puis il a le prix de l'Académie française, enfin il est conseillé par l'Académie française, donc ça lui donne déjà un poids. Et puis il plaît partout, il plaît et aux écoles religieuses et aux écoles laïques, il plaît partout. Tout. Alors c'est 1870, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais Sedan, la chute de l'Empire. Le deuil. Le deuil. Enfin le deuil, les gens vont avoir l'impression de faire le deuil. En fait, il faut qu'ils fassent le deuil de ces deux contrées qu'ils ont perdues. Ah oui, le deuil, oui, Alsace-Moselle. Mais pour les Tuileries, enfin pour Augustine comme pour Alfred Fouillet, est-ce que la chute de l'Empire les réjouit plutôt? Oui, surtout Alfred. Ils ont des convictions républicaines. Oui, Alfred est ravi, donc, comme il l'écrit d'ailleurs à son ami Pierre Foncin. Et, il ne s'en cache pas. Augustine, je ne la vois jamais vraiment prendre de position, mais elle suit tout, puisque, comme elle le dira plus tard, toutes les pensées d'Alfred, toutes ses pensées étaient miennes et toutes les miennes étaient siennes. Donc en fait, on peut supposer qu'il y a une harmonie totale sur… même si elle continuera toujours à garder sa foi religieuse, oui.
d'enfants. Et d'ailleurs, vous parlez d'harmonie, on sent effectivement ce que vous racontez dans le livre, c'est cette espèce de chaleur familiale, de cet amour dans la famille, aussi bien avec donc Alfred, Augustine, le fils et puis les petits, le petit-fils qui suivra. Vous employez, et puis c'est très productif intellectuellement, vous employez le terme de ruche. Oui, ruche, oui, mais c'est ça, parce qu'ils sont tous en train de travailler, chacun. Alors ils s'entraident, ils se regardent, ils relisent tel ou tel passage. Mais c'est un bonheur pour eux de produire une œuvre, de travailler, d'échanger des idées. Et ils vont également échanger des idées avec d'autres intellectuels. Ça, chez eux, quand Augustine aura construit sa villa à Menton, elle y recevra et des amis intellectuels et des intellectuels de passage qui voudront connaître Alfred Fouillet, ce fameux philosophe. Parce qu'Alfred Fouillet, lui, passe sa thèse brillamment. Oui. Alors, sans entrer dans les détails, les grandes lignes de sa pensée, je ne vais pas vous demander un cours de philosophie, parce que vous ne comprendrez pas d'ailleurs. Non, c'est difficile aussi pour moi d'exprimer la pensée d'Alfred. Toujours est-il qu'à l'époque, il y a une sorte de consensus, bon, à part quelques critiques, mais il fait vraiment l'admiration de toute cette génération. Et alors, on parle des idées-forces, et puis aussi Jean-Marie Guyot. En fait, les idées d'Alfred et de Jean-Marie se retrouvent. Mais je pense que Jean-Marie est allé peut-être encore plus loin. Et c'est pour ça que, alors il disait toujours aimer pour tout comprendre, enfin, etc. Enfin, c'était Jean-Marie Guyot a été considéré comme le Nietzsche français. Et Alfred, Jean-Marie a donc édité, publié pas mal d'ouvrages, mais après sa disparition, Alfred publiera également les pensées de Jean-Marie. Voilà, donc, j'invite nos téléspectateurs à se renseigner un peu plus complètement sur Alfred Fouillet. Et c'est cette période-là, après la guerre de 70, la chute de l'Empire, qu'elle entame la rédaction du Tour de France. Donc là, on va plus se pencher sur l'ouvrage. Et pour reprendre le thème d'étude d'Alfred Fouillet, les idées-forces, quelles sont les idées-forces du Tour de France? Alors, les idées-forces, c'est d'abord toutes les valeurs morales. Les valeurs morales qui vont permettre... l'héritage qu'elle veut laisser aux enfants, et elle leur donne toujours l'effort comme modèle, l'effort, le devoir, parce que ce qu'elle veut, c'est que tous les petits Français aiment leur pays, qu'ils aient la fierté de ce beau territoire, et également qu'ils se souviennent tout le temps de valeurs morales toute leur vie et qu'ils soient guidés d'abord par le devoir. Et même sur sa tombe, je n'ai pas mis dans l'ouvrage, mais sur sa tombe, elle a mis un extrait de Francinet où elle dit qu'elle a tout donné aux enfants français, toute sa pensée, et surtout qu'ils retiennent une chose, s'il y a deux chemins, il y a le devoir d'un côté qui rapporte moins d'honneur et d'argent, et de l'autre côté l'honneur et l'argent, l'argent et le déshonneur, il faut choisir le chemin du devoir. Elle dit, l'enfant qui, par son travail, se rend utile à sa famille et à ses semblables est déjà un homme. Oui. L'homme qui, par sa paresse, se rend inutile à tout le monde n'est encore qu'un enfant. Eh bien oui, voilà, exactement. Alors, quel est le contexte social de la France de l'époque, à l'époque où se déroule le Tour de France? On est dans une France qui est meurtrie. La France est d'abord meurtrie et puis surtout a une grosse dette à payer. Et d'ailleurs, dans un de ses livres, je pense Les Enfants de Marcel, qui sera édité 10 ans plus tard, elle montre que chaque Français devra contribuer à hauteur de sa fortune pour qu'on tire un trait sur l'occupation prussienne. Alors, il y a donc déjà cette notion de... il faut reconstruire le pays, il faut redonner de la fierté à tous ces... Et puis aussi, il faut unir tous ces différents territoires, parce qu'il y a encore beaucoup de territoires où on ne parle pas français. Il y a beaucoup de territoires où on ne connaît pas du tout ce qui se passe dans les autres. Donc elle veut donner aussi un sentiment de nation et de fierté de la nation à tous ces petits écoliers. On disait que si les Prussiens avaient gagné la guerre, c'était grâce à leur instituteur.
parce qu'il leur avait su leur inculquer cette fierté d'être prussien. Donc elle va essayer de faire, en même temps qu'elle va aussi apprendre toutes les notions importantes pour cultiver, pour qu'un petit écolier devienne un homme. Donc et il y a aussi des notions d'hygiène, elle lutte contre l'alcool, l'alcoolisme est pour elle un fléau épouvantable. Et tout ça grâce à des anecdotes, grâce à des pensées, des idées, qui sont très très efficaces, parce que les enfants en plus en raffolent, ils aiment, comme elle a vraiment trouvé le... C'est du pédagogisme avant l'heure. Ah oui, ouais. Mais j'ai mis dans le livre une lettre quasiment entière à la fin, où on voit comment elle remarque, comment elle étudie le comportement d'une petite fille de 3 ans et qu'elle en tire des conclusions. Donc à chaque fois, elle regardait les petits-enfants et les petits écoliers et elle savait comment les amener, comment leur inculquer quelque chose grâce à une démarche qui lui était propre et qui était simplement géniale. Parce que pour elle, l'éducation... est fondamentale. Hein. Elle dit « La loi française, en rendant l'instruction obligatoire pour tous, a aboli la dernière forme de servitude, l'ignorance ». Donc, est-ce que le thème de l'éducation est développé tout au long du roman? Enfin, j'appelle ça un roman. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman ou c'est un récit? Le Tour de la France, c'est un manuel scolaire. C'est un manuel scolaire, mais sous forme d'un récit. Mais voilà, c'est un récit initiatique. Mmh. Alors, elle arrive, en faisant un voyage, elle arrive à inculquer des tas de valeurs et des notions de géographie, d'histoire, de sens naturel, d'instruction civique, tout ça comme si les enfants lisaient un roman. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un voyage initiatique, oui. Ces deux enfants? Oui, parce qu'ils font le tour de la France, et là, ils vont apprendre la vie, ils vont travailler, parce qu'ils partent, ils ont juste un baluchon, ils partent d'ailleurs nuitamment de Falsbourg, et ces deux petits Lorrains, et puis ils doivent retrouver leur oncle, qui est maintenant leur seule famille, et puis leur oncle, ils le retrouveront seulement à Bordeaux. Ils pensaient le retrouver à Marseille, mais ils le retrouveront à Bordeaux. Donc ils continuent, et après de Bordeaux, eh bien, ils retourneront dans leur pays, mais en faisant du cabotage, et ensuite... Ils vont aller à pied, à cheval, en chemin de fer, en bateau, tous les moyens de transport donc, seront bons. Ça permet également, j'imagine, d'aborder la place de la nature et du paysage. On a des leçons de géographie. Tout est décrit. Et en plus, ce qui était très innovant, c'est qu'il y avait des petites vignettes, des petits dessins, mais tout petits en noir et blanc. Et alors donc, d'abord, qui vont être illustrés par Perrault. Alors on ne sait rien sur ce Perrault, enfin on ne connaît même pas son prénom. Et après, plus tard, ce sera par Dachère. Alors Perrault, il fait il signe juste donc Perrault, et il fait des toutes petites vignettes. Alors ces petites vignettes n'illustrent pas l'histoire des enfants, les anecdotes, mais illustrent l'enseignement qu'elle veut donner. C'est par exemple, si c'est un grand homme, il y a le portrait du grand homme, un paysage, un métier, des forges, tout ça. Et alors, c'est tellement petit, mais paraît-il que les enfants vont de l'infime au complexe. Tout était vraiment calculé. Même la couleur du papier, en fait, elle était jaunie d'origine, pour ne pas fatiguer la vue des enfants. Vraiment, c'est... Oui, donc une vraie révolution également en termes éditorial. Et... Est-ce qu'elle aborde la question de l'injustice sociale également dans son livre, la pauvreté? Oui, parce que mais toujours avec une grande charité, donc elle est très neutre surtout. Mmh. Elle encourage surtout aux enfants pauvres à améliorer leur statut, aux riches à être charitables. Et si vous voulez, elle s'arrange pour qu'en fait tout le monde arrive à s'améliorer et améliorer le bien-être de chaque Français, mais surtout de la France qui doit progresser de plus en plus. Et l'avenir, c'est cette notion qui me plaît tant, c'est que l'avenir est plein de promesses. Et quand on voit ça de nos jours, on se dit c'est merveilleux de se dire qu'à l'époque, on pouvait avoir foi comme ça dans le progrès et dans l'avenir.
et dans la grandeur de son pays. Mais alors, est-ce que l'impact a été immédiat parce que... Oh ben oui, un succès total. Et... succès total dans les écoles. Parce que comment ça se passait concrètement, finalement, les éditeurs soumettaient, j'imagine, le livre au ministère. Je ne sais pas exactement comment ça se passait, mais je pense que les écoles commandaient. En tout cas, il y a eu un problème à un moment donné avec le conseil municipal de Paris. Puisqu'il y avait un certain Auvelat qui était un laïcard pur et dur et qui, à un moment donné, à la fin donc du siècle, n'a plus... Là, on va en parler effectivement, parce que ce livre, en plus, a une vie. Oui. C'est-à-dire que, comme c'est un manuel scolaire, enfin, on le voit bien aujourd'hui, où les programmes scolaires changent à chaque ministre, quand c'est pas tous les 2-3 ans, donc on est obligé de les réadapter. À l'époque, c'est à peu près... Enfin, c'est peut-être pas les mêmes luttes politiques, mais ce qui évolue énormément, ce sont les techniques. Oui. Et puis, effectivement, également les mentalités. Donc, le livre il y a combien d'éditions? Est-ce qu'il est réédité chaque année, amendé, complété chaque année? Il doit même être réédité plus que chaque année, puisque là, j'ai la version de 1905 et nous sommes déjà à la 328e édition. Ah oui. Donc, alors, peut-être qu'il ne modifiait pas à chaque fois. En tout cas, elle a été obligée de faire une grosse... On en reparlera. Mais sinon, déjà, au niveau des techniques... par exemple, l'apparition le développement du chemin de fer, tout ça elle change. Elle a fait un épilogue. Tout ça change de livre en livre. Et oui, elle a été obligée de faire un épilogue pour expliquer. Déjà en 1905, il y a déjà l'épilogue, on parle déjà de Pasteur, il y a le téléphone, enfin le téléphone tel qu'on le voyait à l'époque, le cinéma. Le métro. Le chemin de fer aussi. Donc, évidemment, en 1877, on ne pouvait pas parler de toutes ces choses-là. Donc, elle évolue, Augustine, elle vit avec son temps. Bien. Et donc, il est perçu très bien. C'est un vrai succès populaire. Il est beaucoup aimé. J'imagine qu'on peut même l'acheter. Enfin, les familles pouvaient l'acheter en dehors de, oui, en dehors de la classe. Alors, paraît-il même, paraît-il qu'il y avait dans beaucoup de familles qu'un seul livre, c'était celui-là, qui était recouvert souvent de tissu et rapiécé, etc. Parce qu'il apprenait tout, ce livre. Les adultes en étaient aussi très friands, puisqu'ils avaient les notions principales qu'ils n'avaient peut-être pas acquises, parce qu'ils n'étaient pas forcément. Ils n'avaient pas eu ce livre quand ils étaient enfants. Alors, vous disiez au début qu'Augustine, elle, avait une vraie foi. Oui. J'imagine plutôt sensible, d'après ce que vous nous disiez, plutôt sensible à ce qu'on appelait le catholicisme social. Et oui. Arrive 1905, oui. Les premières lois sur la laïcité. Et là, le livre donc fait l'objet quand même d'une polémique. D'une vraie polémique. Oui, oui. Dans les journaux, on l'attaque et certaines personnes veulent le bannir. Donc il n'y a plus qu'une solution. Il faut. Enlever des choses qui peuvent gêner. On va dans un extrême, parce que l'interjection « mon Dieu » devient « hélas ». On doit tout enlever. Les tours de Notre-Dame sont bannies, etc. – On enlève la représentation de Notre-Dame. – Oui, on enlève, il y a des choses qui sautent. Voilà. Alors c'est d'ailleurs compliqué pour Augustine, parce qu'il y a aussi, c'est vraiment une femme de plume, il y a toujours un certain rythme dans ses phrases. Oui. Alors si elle coupe des choses... elle est obligée de reprendre, ajouter des mots, etc., pour que ça fasse... – Les éditeurs sont toujours durs avec les, oui, les auteurs mais, dès qu'il s'agit de couper. – Oui, mais bon, elle s'est soumise à ce diktat, parce que c'était la seule solution pour que ce livre continue à former des générations. On peut faire un parallèle d'ailleurs avec ce qui existe aujourd'hui avec mouvement woke où on va réécrire des passages entiers ou modifier, on le voit dernièrement avec les livres de Roald Dahl ou certains ou Club des Cinq. C'était... Et alors, elle avait écrit Fancinelle, le Tour de France, et puis elle ne va pas s'arrêter là. Non. Puisqu'elle écrit ensuite un nouveau livre, Les enfants de Marcel. Alors. En quelle année, Les enfants de Marcel? 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Donc 1887. Qui lui est axé sur quoi? Alors là, c'est un livre d'instruction civique, également de morale sociale en action. Donc, on retrouve de la géographie, toujours la même chose, de l'hygiène, de l'agriculture, des tas de choses. Mais
Là, malgré tout, il y a une petite touche un peu plus guerrière. Quelle est la différence? Une petite touche un petit peu plus guerrière. Parce que, donc, on part, c'est toujours nuitamment. En 1877, il partait de Phalsbourg à la nuit tombée. Là, nous sommes en janvier 1871, et c'est l'armée de l'Est, et il y a le sergent Marcel qui est là, et c'est de nuit, et on retrouve ce pauvre sergent Marcel qui a perdu sa femme, qui a 4 enfants en bas âge, et voilà, donc, et ce sergent Marcel qui va être un modèle de devoir, un modèle de vaillance, et qui va d'ailleurs inspirer le petit-fils d'Augustine, et il lui dira plus tard, tu sais, c'est là vraiment, bonne maman, que j'ai, me suis rendu compte qu'il fallait être vaillant, et que j'ai eu envie de servir mon pays. Parce que le sergent Marcel, qui était un modèle de courage, voulait vraiment sauver la France et aller jusqu'au bout. Elle mettait que vainqueur ou vaincu, on devait toujours continuer à se battre jusqu'au bout. Oui. Et les enfants de Marcel rencontrent le même succès que le Tour de France. C'est également un manuel scolaire. Oui, oui. Alors, le Tour de France, comme le dit l'encyclopédie, est le plus lu et le plus aimé de tous les manuels scolaires. Donc, les enfants de Marcel, moins vendus, mais aussi forment aussi beaucoup, beaucoup d'enfants et surtout vont donner à toute une génération, effectivement, ce désir de défendre leur pays. Voilà, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ce livre donc, de 1877, 1914, Première Guerre mondiale, mais après la guerre, il continue à être… Oui, le Tour de la France va continuer. Édité, oui. Alors, est-ce qu'il y a une mise à jour qui est faite historique avec la guerre de 14-18 ou... Alors, j'ai vu que c'était… je crois que c'est pour les enfants de Marcel qu'en 1930, ils avaient ajouté l'armistice 1918. Ils avaient... 1930, c'est-à-dire que le livre… Même les enfants de Marcel… le Tour de la France… Jusqu'à quelle époque, finalement, on va le trouver dans les écoles? Moi, je l'ai eu à l'école, voilà. fin des années 50, début des années 60, même s'il n'était plus au programme officiel, il était encore dans certaines écoles. Et moi, je me souviens très bien avoir lu des extraits. Et à cette époque, ça m'avait vraiment impressionné, ça m'a laissé un souvenir impérissable. Donc, est-ce que vous pensez que c'est toujours un livre qui est d'actualité? Est-ce qu'il y a un message central que les jeunes lecteurs d'aujourd'hui pourraient tirer du Tour de France? Ils pourraient tirer, mais ça ne les intéresse plus. On a fait des essais, j'ai fait des essais sur mes petits-enfants, des amis ont fait des essais aussi. Il faudrait une version sur numérique peut-être? Peut-être, mais non, je pense que ce sont des notions qui ne leur parlent plus. Est-ce que c'est la notion ou ce sont le style? Le style sûrement, ouais. Le style, et puis oui, le style, et puis même les thèmes ne sont plus la lutte contre l'alcoolisme, tout un tas de choses qui... puis même le devoir. Le devoir, c'est des choses qu'ils n'aiment pas tellement entendre. Ils préfèrent entendre les droits plutôt que les devoirs. Oui, alors qu'ils pourraient continuer à être d'actualité, bien évidemment. Oui. On va revenir rapidement pour terminer l'émission sur Augustine. Donc, elle a la douleur de perdre déjà son fils. Beaucoup de drames dans sa vie. Elle perd son fils, elle perd son époux. Enfin, oui, parce mais que, qui a quand même survécu quand même à un certain Alfred, temps. Alfred Fouillé. La guerre, elle perd son petit-fils. Alors oui, c'est le coup de 1917. Trop. Oui, et lui, il avait 30 ans lorsqu'elle a Oui, il avait 33 ans quand il est décédé, il avait 30 ans, il pouvait encore attendre, mais il a voulu tout de suite aller défendre son pays, et justement parce que, comme disait sa mère, c'était un vaillant parmi les vaillants, il disait qu'il n'avait pas peur, il voulait servir son pays, et il estimait que c'était à l'élite de la France, et bien sûr, lui, il faisait partie de cette élite intellectuelle, que c'était à l'élite de montrer l'exemple et d'aller entraîner ses hommes au combat. Et parce que, rappelez-moi le prénom du Augustin qui a suivi les traces de son père, sur les voies de son grand-père, sur les voies de la philosophie. La philosophie, et puis également, c'était aussi un ingénieur, il était très attiré par l'électricité, il a fait l'électricité. Et alors, Augustine va écrire un dernier livre en 1916. Oui.
Bon, qui connaîtra un succès moindre. Oui. Enfin, l'époque ne se prête pas, mais de quoi traite-t-il? Toujours destiné aux enfants? Alors oui, mais cette fois-ci, c'est le tour de l'Europe pendant la guerre. Elle veut faire connaître à tous ses petits-enfants, connaître les différents pays, ceux qui sont derrière l'Allemagne, ceux qui sont derrière les pays alliés. Mais elle ne veut pas le faire connaître d'une façon, en fait, hostile. Mm-hmm. Elle veut montrer les richesses, même les richesses des deux pays qui luttent contre la France, et puis aussi toujours avec leur donner cet espoir qu'ils vont quand même gagner la guerre, ou du moins retrouver la paix. Et donc elle voulait aider, mais elle avait 83 ans déjà. Donc elle était toute seule pour le faire, personne ne pouvait le relire, puisque même Pierre Fonsin lui demande de le relire, et il meurt 2-3 mois plus tard. C'était son relecteur attitré, et puis bien sûr avec Alfred qui n'est plus là. Mais la femme de son petit-fils qui... Oui, peut-être, elle relit aussi, qui elle aussi a écrit sous le pseudo de Pierre Ulrich. Encore un pseudo masculin, décidément. Oui, oui. Et donc elle disparaît en 1923. Le 8 juillet 1923. Et laisse au niveau postérité, sa mort a été... À quel moment a-t-on su finalement que ce n'était pas G. Bruno, mais Augustine Thullery? Est-ce que ça se savait dans les écoles, j'imagine? Alors même pendant longtemps, même Jaurès pensait qu'en fait l'auteur, c'était Alfred Fouillet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que... Bien sûr. Mais Alfred Fouillet était toujours heureux de dire non, ce livre est magnifique, mais c'est ma femme... Puisqu'ils étaient enfin mariés, mais ma femme qui a écrit ce livre. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais su, qui ne se sont jamais posé la question. Une question qui était... Non. Eh bien écoutez, ce livre rend donc maintenant à Augustine ce qui est à Augustine. Augustine Thullery, l'histoire extraordinaire de l'institutrice aux millions d'élèves. Voilà, donc plus de 8 millions d'exemplaires vendus. Bah, écoutez, on souhaite également bonne chance à votre ouvrage qui est paru aux éditions Ramsay. Michel Dassas, merci infiniment de nous avoir fait découvrir ce personnage passionnant. Merci beaucoup. Vous allez retrouver maintenant la petite histoire de Christopher Lahn. N'oubliez pas, avant de nous quitter, de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt. Ce qui est fascinant dans l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est bien sûr son épopée glorieuse de la libération du siège d'Orléans jusqu'au sacre du roi à Reims, et puis enfin sa fin tragique. Mais ce qui, moi, me fascine le plus, c'est le contraste qu'il y a dans cette histoire entre la Jeanne, chef de guerre et meneuse d'hommes que nous connaissons, la Jeanne héroïque, et puis la petite Jeannette des origines. Car oui, il ne faut jamais oublier qu'avant le commencement de cette folle aventure, qui dépasse l'entendement clairement, et bien Jeanne n'était qu'une petite paysanne illettrée, totalement inconnue, que rien ne prédestinait à ce fabuleux destin. C'est ça qui rend l'épopée joannique grandiose, surnaturelle, et c'est pourquoi j'ai voulu m'attaquer aujourd'hui à cette période moins connue mais tout aussi déterminante de son histoire. Jeanne, ou plutôt Jeannette, c'est comme ça qu'on l'appelait dans son village, est née en 1412 à Domrémy, dans le Barrois, en Lorraine. Il n'y a pas de date de naissance précise, on parle du 6 janvier, c'est l'épiphanie, ce qui relève plus de la légende symbolique que du fait historique. Et c'est normal aussi à cette époque-là, qu'on ne connaisse pas sa date de naissance, puisque à cette époque, beaucoup donnent leur âge environ. Parfois même, les seigneurs ne connaissent pas leur date de naissance. Domrémy se situe à cette époque dans une vallée traditionnellement fidèle au dauphin Charles VII. Mais la région est très mouvante et les limites sont pas toujours très claires. Domrémy se situe justement à la frontière entre les terres du royaume de France et les territoires du Saint-Empire. C'est grâce au procès en réhabilitation qui a eu lieu en 1456 et aux témoins de son village qui ont témoigné à cette occasion que l'on connaît l'enfance de Jeanne. Jeanne, pour commencer, elle est illettrée. Elle le dit elle-même, elle ne sait ni A ni B, qui est une chose courante à l'époque chez les paysans. Mais pour autant, elle n'est pas, comme on la présente souvent, une pauvre bergère. De l'avis général, Jeanne est très pieuse dès son plus jeune âge. Elle va souvent et volontiers à l'église et sa piété déconcerte son entourage. Elle parle français avec un accent lorrain. Elle est, je cite, « bien bonne française et n'aime point les bourguignons ni les anglais ».
Ça, c'est des extraits des témoignages des personnes de son village. Les premiers, les Anglais, ils ont souvent semé le trouble dans la région. Et puis les seconds, les Bourguignons, là aussi c'est tendu. On est en pleine période de crispation et de guerre civile. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que Jeanne, dès sa naissance, est fille de la frontière et de la guerre. Elle s'occupait comme le font les autres jeunes filles. Elle faisait des travaux de la maison et elle filait. Et quelquefois, je l'ai vu, elle gardait les troupeaux de son père. Donc quelquefois, elle gardait les troupeaux. Nous, on a gardé l'image de cette Jeanne bergère, mais c'était pas son activité principale. Quelques idées reçues maintenant sur cette enfance, justement. La première étant que Jeanne est issue d'une famille pauvre. On dit que c'est une bergère, mais on dit souvent, on ajoute souvent « pauvre bergère ». Les parents de Jeanne ne sont pas du tout de pauvres gens. Alors certes, ils n'étaient pas bien riches par rapport aux nobles et aux princes, mais le père Jacques d'Arc était un laboureur aisé, c'est-à-dire un paysan qui possédait une maison en pierre, paraît-il. Alors, on voit la maison qu'on nous fait visiter aujourd'hui, même s'il y a des doutes. Une charrue, des animaux et des terres. Il avait été doyen, c'est-à-dire maire, et aussi procureur du village dans des affaires évoquées plus tard par Robert de Baudricourt, qui est le capitaine royal de Vaucouleurs, qu'il connaissait bien et dont nous reparlerons dans d'autres épisodes. Donc il s'agit d'une famille qui n'est pas pauvre, qui est en pleine ascension sociale. D'ailleurs, sa famille a fondé une messe annuelle au printemps, et c'est pourquoi Jeanne reçoit une très bonne éducation. En gros, ils font partie de l'élite paysanne et de l'élite de leur village. On nous dit aussi, ça c'est l'image d'Épinal, je reviens là-dessus, que Jeanne était une bergère qui garder les moutons. Alors voilà un grand mythe lié à Jeanne et que l'on trouve dans tous les manuels scolaires. Jeanne était une bergère qui gardait ses animaux. C'est un mythe armagnac. Vous savez, Armagnac-Bourguignon, c'était la guerre civile à l'époque. Les Armagnacs étaient fidèles à Charles VII et les Bourguignons, avec le duc de Bourgogne, pactisaient avec l'Angleterre. Donc c'est un mythe armagnac qui a été lancé par les Armagnacs pour sa symbolique, puisque dans la Bible, Dieu parle au roi et la plupart du temps, au berger. En réalité, Jeanne ne garde les moutons qu'occasionnellement, je l'ai dit, ce que confirment les deux procès. Puis comme le note l'historienne Colette Beaune, à cette époque, les paysans cultivent un peu de tout et il n'y a aucun berger de profession qui n'habite un village précis. L'élevage n'est qu'une activité d'appoint. Ce que fait Jeanne, eh bien, la plupart du temps, elle va à la charrue et puis surtout, elle fait les ouvrages de femme, filet et tout le reste. Maintenant, intéressons-nous à son nom, Jeanne d'Arc. D'où ça vient? Eh bien, déjà à son époque, enfant comme durant toute sa vie, personne ne l'a jamais appelée Jeanne d'Arc. Les chroniqueurs de l'époque non plus ne connaissent pas cette forme. En vérité, en son temps, le nom de famille a peu d'importance. On utilise surtout les prénoms, les surnoms et puis les lieux de résidence. Durant son épopée, c'est sous le surnom de Jeanne la Pucelle qu'elle se fait appeler. Pucelle, c'est le nom qu'on donnait à l'époque et qu'on donne encore aujourd'hui aux jeunes filles vierges. Il faut attendre le procès en réhabilitation, donc après sa mort, 1456, pour que la forme d'arc apparaisse, sans d'apostrophe, d'arc en un mot. Il s'agit de la forme la plus admise, mais on voit aussi d'ars, d'ar, avec un e à la fin. En gros, il n'y a pas vraiment de règle orthographique fixe. Son père est né à Céphon, près de la ville d'Arc en Barrois, et c'est ce qui justifie le nom d'Arc. Quant au d'apostrophe, d'attaché ou d'apostrophe, sachez qu'à cette époque, la particule d'apostrophe ou de ne fait pas forcément de vous un noble. Et puis pour finir, son prénom, Jeanne, eh bien il est porté par un tiers des filles de son temps, paysanne comme noble. Donc en gros, c'était un prénom populaire à l'époque, et ne me parlez pas de Kevin. Parlons des voix maintenant, parce que c'est quand même essentiel dans son histoire. Nous sommes en 1425 quand les premières voix lui apparaissent à elle. Elle a alors 13 ans, elle est dans le jardin de son père, vers l'heure de midi, et Saint-Michel lui apparaît, c'est le premier. Dans un premier temps, c'est pour l'aider à se gouverner, c'est-à-dire à être une bonne et sage fille et d'aller souvent à l'église. Au début, Jeanne est évidemment terrifiée par cette apparition. C'est plus tard qu'elle va recevoir sa mission, c'est-à-dire aller au secours du roi, délivrer Orléans et le faire sacrer à Reims. Jeanne va répondre qu'elle n'est qu'une pauvre fille qui ne sait ni monter à cheval ni faire la guerre, mais Saint-Michel lui dit alors d'aller trouver Robert de Badrincourt, qui est le capitaine de la ville de Vaucouleurs, située à 4 heures de marche, et que ce capitaine la mènerait vers le roi. Puis ce sont Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui vont lui apparaître dans une grande clarté, nous dit Jeanne, et avec un noble maintien. Dès qu'elle les voit, elle se met aussitôt à genoux et elle pleure leur départ. L'âge avançant, ces voix vont se faire de plus en plus
présentes, lui rappelant sans arrêt sa mission, et elles vont apparaître souvent lorsque les cloches sonnent, nous dit-on. Alors à 16 ans, nous sommes en mai 1428, elle part enfin pour Vaucouleurs, sans prévenir ses parents qui se seraient opposés à son départ, accompagnée de son cousin, qu'elle appelle son oncle parce qu'il est plus âgé et qui s'appelle Durand Laxart. Durand Laxart, ça me fait rire, ça on dirait le nom d'un super-héros kitsch. Bref, plus que jamais, Jeanne va espérer convaincre le capitaine de l'emmener vers le roi, comme lui ont suggéré ses voix. Après une première tentative infructueuse, on la prend pour folle hein, dans le village. Elle retente sa chance l'année précédente, donc en 1429, et cette fois, elle fait forte impression dans la ville grâce à sa piété, et elle est même reçue par le duc de Lorraine. Tout ça va convaincre Robert de Baudricourt d'accepter enfin sa demande, et donc de la conduire à Chinon auprès du roi. Il met une escorte de 6 hommes à sa disposition et Jeanne part le 23 février 1429 pour un voyage de 11 jours. On connaît la suite, la formidable suite. Elle est reçue par le roi, elle fait ses preuves, on lui confie une armée et puis en l'espace de quelques semaines, le siège d'Orléans est levé, le roi est sacré à Reims et les troupes royales reprennent une confiance et un avantage qu'ils ne perdront plus jusqu'à avoir définitivement bouté les Anglais hors de France. Si je vous parle de ça, de son enfance, premièrement, c'est pour mieux connaître l'histoire de Jeanne, mais il est surtout question de se rendre compte du chemin parcouru par cette petite jeune femme quasiment inconnue. Quand on prend du recul et qu'on regarde ça, eh bien on ne peut pas s'empêcher d'être impressionné, d'être stupéfait et puis d'être fier de notre histoire. Et pour certains, dont je fais assurément partie, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a incontestablement quelque chose de surnaturel derrière ce destin hors normes.